rencontre. Le coup de sifflet de l'arbitre va bientôt lancer cette rencontre. Et c'est parti! Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Pour récupérer. Il ne tremble pas sous le ballon. Une mêlée spontanée se forme. Il conserve le ballon. Transmission de la balle. Le jeu de passe. Ils ont un avantage sur cette action. L'équipe de Carcassonne parvient à conserver ce ballon. Passe. Il faut venir au soutien. L'attaque conserve le ballon. Avantage terminé. Une mauvaise passe qui n'atteint pas son destinataire. Il y a un coup à jouer sur les extérieurs. C'est un ruck. Sauter. L'équipe de Carcassonne a encore le contrôle du ballon. Bon raffut. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Le ballon est conservé par Carcassonne. La passe manquée de Kofi. Ça fait bien circuler la balle. Carcassonne à l'origine de ce ruck. Le demi de mêlée va pouvoir lancer le jeu. Ça circule bien. Qui joue avec Sauveterre. Il capte bien ce ballon. Point de fixation pour l'attaque. Conserve ce ballon. McMahon. Réception propre du ballon. Belle prise de balle. L'arbitre avantage. Décide de laisser l'avantage pour Grenoble. Oh, quel plaquage! Première touche à suivre. Capelli qui sort victorieux de ce duel en l'air. Selponi qui parvient à libérer malgré le plaquage. Ballon bien capté. Et les avants forment un ruck. Ils ont soigné la conservation du ballon. C'est un ruck pour Carcassonne. Valentine transmet à son coéquipier. Sur l'extérieur pour Jasmer. Ils vont contester ce ballon. Et on atteint la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Un beau décalage sur le côté. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Marou qui donne à Ray. Il devrait tenter un coup sur les ailes. Attaque stoppée, formation d'un ruck. Les joueurs forment un ruck. Ils parviennent à conserver le ballon. Valentine fait circuler le ballon. Ça va être un contest. Ils ont encore le contrôle du ballon. Belle passe. Aïe, aïe, aïe. Il a l'air de s'être blessé. Espérons qu'il n'y a... Rien de grave, hein, ce genre de choc peut laisser des traces. Carton jaune contre Selponi. Coup de pied manqué qui part trop à gauche. Et voilà un ballon qui sort des limites du terrain. L'arbitre siffle la mi-temps. Parvient à revenir dans la partie. McMahon transmet à Marou. Conservation du ballon de Carcassonne. Un ruck qui s'est formé. Les joueurs de Carcassonne sont toujours en possession du ballon. Il y a un coup à faire sur les ailes.
Nouveau point de fixation. Ballon toujours pour Carcassonne. Georgis qui se fait plaquer par Van Rensburg. Libère son ballon après le contact. Porteur de balle mise au sol. Il conserve le ballon sur ce ruck. Il passe le ballon. Passe mal ajusté. L'arbitre laisse l'avantage. Voyons s'ils parviennent à faire quelque chose de ce ballon. Il garde la possession du ballon. L'avantage est terminé. Le ballon circule bien. Ça, c'est bien joué. Oh, il rate son plaquage. Jouer. Avantage annoncé par l'arbitre. L'équipe de Carcassonne va donc introduire cette première mêlée du match. L'attaque va nous proposer une combinaison. Pour avancer efficacement, le choix de la combinaison est déterminant. Lié. Jeu. Ballon récupéré par le pack de Grenoble. Ah, ils cèdent sous la pression de leurs adversaires. Et la progression du môle est bien stoppée par la défense. Un ruck annoncé par l'arbitre. Il chaparde le ballon. Carcassonne qui devrait pouvoir jouer ce ballon malgré la faute. Changement de joueur. Ils vont faire rentrer du sang frais. Ouais, du sang neuf qui va venir ramener un peu de tonus dans leur jeu. Les deux packs se mettent en position pour une mêlée. Flexion. Yeah. Jeu. L'équipe de Grenoble va pouvoir récupérer le ballon sur cette mêlée. Très bel effort des avants qui récupèrent le ballon. Jasmer qui casse le plaquage. L'équipe de Carcassonne conserve ce ballon. La passe après contact. Mêlée spontanée. L'équipe de Carcassonne a encore le contrôle du ballon. Belle passe après contact mais risquée. Ramoneda qui vient mettre les mains dans le ruck. Et on entre maintenant dans les dernières minutes du match. Marou passe son ballon. Et c'est un ruck. Conservation du ballon de Carcassonne. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Il s'applique à bien faire circuler le ballon. Il y a une opportunité sur l'extérieur avec Jasmer. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Les joueurs de Carcassonne vont garder ce ballon. La passe au contact pour Segui. C'est un ruck pour Carcassonne. Ils ont conservé ce ballon. Ah, mauvaise passe. À zéro. Et il y a encore 3 points à aller chercher sur cette pénalité. Pénalité réussie qui vient ajouter 3 points au score de Carcassonne. Et voilà, c'est terminé. Victoire de Carcassonne. Et voilà, c'est une victoire in extremis de la part de Carcassonne avec ce score final 3 à 0. Effectivement, cette rencontre a été très serrée entre les deux formations. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. On se retrouve pour le prochain match, mon cher Thomas. Merci Eric, on a vécu un...